souvenir de l'édition du tournoi BNP Paribas, ça a été la préparation de l'édition 2019. Au cours de la préparation de cette édition 2019, en passant quotidiennement devant la photo de la victoire de Yannick à Primrose, c'est vrai que ça a sonné comme une évidence qu'il fallait le faire venir pour fêter les 40 ans de cette victoire. Il a gagné en 1979 son premier tournoi ici et il a notamment reçu la coupe des mains de Jacques Chaban-Delmas qui était un éminent joueur de tennis et membre de la Villa Primrose. Donc c'est vraiment avec une très grande joie et un grand honneur que nous l'avons reçu 40 ans plus tard pour fêter cette victoire. Donc toutes les équipes ont œuvré pour mettre en œuvre sa venue, non sans beaucoup d'inquiétude. Et c'est vrai que lorsqu'on l'a vu arriver le mercredi soir à la soirée caritative, c'était un sacré soulagement. Et là, petit à petit, il s'est mis dans l'ambiance, il a aidé à faire monter les enchères, il a bu 2-3 verres de Grand Cru. Et Yannick nous a offert son plus beau déhanché. Ensuite, il nous a surtout gratifié d'un magnifique concert privé et complètement improvisé qui a déchaîné tous les amoureux de la danse et dont tout le monde se souvient encore. C'était fabuleux. Improvisé.